Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série à travers les époques. On est dans l'époque de la Renaissance avec notre petit manoir qu'on avait bien entamé la dernière fois. Et vous allez voir aujourd'hui que en off, j'ai bien travaillé également puisque vous pouvez déjà voir quelques petites choses sur les côtés. Voilà, notamment qu'il y a des choses qui ont un petit peu avancé. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Donc déjà, j'ai remis du bois clair ici, même si ce n'est que temporaire, mais au moins comme ça, on est tout cohérent. J'ai mis aussi le petit toit en haut et j'ai remis les rambardes avec des dalles plutôt qu'avec des barrières, puisque vous m'avez dit que vous préfériez avec des dalles. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu avancé sur l'avancée ici, et en fait, pas que ici, puisque vous allez le voir. Bim! Voilà. J'ai en fait fait toute la structure de notre manoir. Voilà, tout le contour du manoir est fait. Donc comme ça, au moins, on se rend compte, en fait. On se rend mieux compte de la taille du truc. Donc en fait, finalement, en taille, c'est à peu près ce que je pensais. Voilà, c'est pas trop grand, mais au moins, on aura la place de mettre des choses dedans. Donc c'est plutôt cool. Comme je vous disais, il y a un espèce de premier bâtiment qui est ici. Voilà, qui fait sa limite ici. Et il y a une petite aile ici en plus, et il y a la même en fait de l'autre côté, c'est le symétrique. Et tout simplement en fait, par rapport à ce qu'on a déjà fait ensemble en épisode, c'est quasiment un copier-coller à chaque fois, vous allez le voir. Hop, donc en fait nous on avait fait ceci et ceci. Je vous avais parlé de cette face là que c'était la même avec juste un bloc en plus ici et ici. Et en fait toutes les autres faces c'est la même chose en fait. Voilà, à chaque fois c'est vraiment tout le temps la même chose. En fait, comme ça, ça permet d'avoir au moins la structure. J'ai avancé là-dessus parce que j'allais pas faire ça en épisode à chaque fois, à faire, on avance, on a fait l'aile gauche, maintenant on va faire l'arrière, etc. Ça sert à rien, hein, à chaque fois c'est la même chose. Maintenant qu'on l'a vu une fois, je me suis permis d'avancer. Donc du coup, voilà, je pense que j'avancerai un peu en off comme ceci. Pareil, là, en fait, vous avez déjà vu les fenêtres, comment on allait les faire. Globalement, ça va être la même chose à chaque fois, hein. Je vais adapter, sauf qu'au lieu qu'il y ait 2 de large là, comme là il y avait, là il y a 3, là c'est pareil en fait, au lieu qu'il y ait 1 ici, il y aura 2 ici, mais en gros les fenêtres, ils seront au même endroit quoi. Donc voilà, je pense que j'avancerai un peu sur ça en off, mais du coup pour aujourd'hui, on va laisser un peu ça de côté. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ces espèces de planches blanches, là, je vous ai dit que tout à l'heure j'avais un peu uniformisé pour qu'on se donne une idée. En fait, ça m'allait durant les 2-3 premiers épisodes parce qu'on n'avait pas les ressources. Mais là, ça commence à me gêner. Voilà, ça commence à me gêner. Donc, en fait, on va aller chercher ces ressources. On va aller chercher de l'argile, puisque à la base, ici, c'est censé être de l'argile. Je vous en avais parlé. Donc, on va aller chercher ça aujourd'hui. On va partir à l'exploration, puisque je vous avais dit que pour aller chercher l'argile, en fait, on allait se servir de l'un des objectifs de l'époque, qui est de faire des explorations maritimes, etc., et qu'on allait essayer de trouver un messa. Donc voilà, ça va être l'objectif du jour. Donc du coup, on va un petit peu se préparer à partir, en gros, à l'expédition vers le messa. Hop, je vais revenir au niveau de mes coffres, et en fait, ce que j'ai fait en off également, c'est que du coup, j'ai farmé pas mal de canne à sucre, puisqu'on va en avoir besoin pour faire des cartes maritimes, puisqu'aussi, quand on va faire nos voyages, nos expéditions, on va essayer de tracer ça sur des cartes, et du coup, je vais avoir besoin de redstone et de fer. Je suis allé reminer du fer exprès pour ça, donc on va se faire une petite boussole, déjà une dans un premier temps, on verra si on en a besoin d'autres, mais je pense qu'on en aura besoin d'autres en tout cas, et on va se faire n'importe quoi. Bon voilà, comment gâcher, 64 cannes à sucre, ah n'importe quoi, voilà, bon, on va se faire du papier,
Hop, parfait. Ah mince, en plus j'avais bien attendu d'avoir 3 stacks. Ah attendez, je vais juste vite fait récolter ce qui est là, comme ça, histoire d'avoir un petit stock en plus. Mais en gros, voilà, je voulais me faire des cartes, tout simplement, des cartes maritimes. Enfin, pour l'instant, qui vont être des cartes normales. Mince. Ça m'est arrivé, ça m'arrive tout le temps, ça, de tomber et du coup de tout casser. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça se place assez rapidement, surtout qu'il n'y a pas de temps de repousse comme comment dire le blé ou des choses comme ça. Là, une fois que c'est poussé et il n'y a pas 7 stats de... Donc ça, ça va. Hop, ok, parfait. Comme ça, j'en aurai un petit peu plus, surtout que voilà, comme je vous l'avais dit, ouais, j'ai farmé un petit peu en même temps. J'allais dans le Nether, je récoltais du quartz, etc. Parce que oui, c'est ultra long à récolter le quartz, honnêtement. Là, je crois que j'ai dû passer 6-7 heures pour pouvoir faire tout ça, là, récolter assez de quartz. Enfin, bref, bah, à la limite, je vais le garder en forme... Ouf, quoique... Allez, hop, comme ça, ça m'évitera d'en retransformer en sucre, ce serait bidon de faire ça. Voilà, ok, donc on a le papier, je vais le garder sur le côté pour le moment, et on va s'en faire au moins une. Voilà, on va s'en faire une, tac, voilà, carte vierge. Donc, si je me trompe pas, il faut que je l'ouvre. Voilà, donc là, on va voir ce qu'on connaît, ce qui est autour de nous, avec le petit village à côté, voilà, parfait. Parfait, parfait, voilà, tout est déployé. Et maintenant, on va la dézoomer. Alors, si je me trompe bien, c'est comme ceci. Voilà, si je me trompe bien, non, si je me trompe pas plutôt. Ok, on est bon, je dézoome plein de fois. Je peux plus. Unknown map. Je peux plus dézoomer. Ah, je savais pas qu'on pouvait pas dézoomer. Bah, attendez, je l'ai fait que 2 fois là. Ah non, c'est qu'il faut l'ouvrir entre chaque. C'est ça. Ok, un quart. Là, je peux le dézoomer ou pas? Ah bah oui, bah je sais pas, il y a eu un bug. Je sais pas pourquoi. Bah non. Unknown map. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être tellement petit qu'il faut la rouvrir pour du coup qu'elle puisse... Ok, d'accord. Ok, et là, je crois qu'on va plus pouvoir le dézoomer. Non, parce que là, on est en level 4 sur 4, et là, un bloc... Non, 16 blocs, ça correspond à 1 pixel. Ok. Ok. Bon, déjà, on va pouvoir faire avec ça. Ça va être plutôt cool. On va pouvoir commencer. Donc voilà. Là, on est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire également des petits bateaux. Alors, normalement, j'avais pas récolté de bois. Ah, mince. Ah non, j'avais planté du bois. J'avais pas récolté de bois. Mince. Je me disais, mais il me semblait pourtant que j'avais préparé pour les bateaux, mais... J'ai planté, mais j'ai pas récolté. Oui, donc du coup, on va faire des bateaux. Et en fait, là où il y a un petit point négatif, c'est que je me suis renseigné sur la map. Donc j'ai pris le site, j'ai regardé sur des sites où on peut regarder la map avec le site. La mer la plus proche, en fait, elle est à 4000 blocs. Donc déjà, je pense que ça va être une petite aventure déjà de se rendre au niveau de la mer. Et bah après, il va falloir un petit peu explorer en bateau et chercher eh bien ce qu'on a besoin. Voilà. Hop, parfait. Bon voilà, je pense que là, ça devrait suffire. Alors, j'ai fait aussi cuire des patates parce que du coup, je me suis dit qu'avec le pain, ça allait être bien, mais... Je pense que ça va être plutôt long comme voyage, donc j'ai fait cuire des patates, c'est un peu plus nourrissant, et je crois que la durée que ça nous remplit le ventre est plus grande. Voilà, bon, j'ai fait 5 bateaux, hop, je garde quand même le bois avec moi, on va garder toutes les ressources. Ok, et du coup, eh bien, on est parti, donc là, vous voyez, on est en moins 33 ici, et là, on est en moins 297, et en fait, la mer la plus proche, elle est en 4500 ici, 4500, et là, à peu près moins 500, donc là, ça va. Mais ça va être surtout très long à y aller, donc voilà, c'est par ici. Donc du coup, eh bien, je suis parti, je pense que je vais vous faire ça en ellipse. Au début, je voulais vous faire un petit accéléré en mode je trace tous les horizons, etc. Sauf que, vu que je pense que ça va être très long, ça va prendre énormément de temps. Puis surtout, ça n'a pas forcément un grand intérêt, vous allez me voir marcher en accéléré, etc. Donc du coup, on est parti. Je pense que je vous retrouve quand je suis au bord de la mer, du coup, en bah, à peu près moins 4000, je vous ai dit. Hein. Donc ça doit être un truc comme ça. Alors oui, pour ceux qui me disent t'aurais dû y aller en cheval, bah en fait j'y ai pensé, mais bah, le problème c'est que je n'ai pas de sel. Donc bah on va faire 100, hein. Tant pis. En tout cas voilà, on se retrouve eh bien quand j'y suis. Donc à tout de suite. Ah, oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié.
Hop. Ah oui, alors du coup, je n'avais pas encore fait l'ellipse, pas tout de suite, parce que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je fais une map, mais j'ai oublié de l'ouvrir pour faire le premier bout de trajet. Donc du coup, je reviens un petit peu sur mes pas, voilà, pour la remplir. Voilà, bon, je pense qu'on est plutôt bon. Au pire, je la remplirai quand je reviendrai. Mais voilà, oui, je vais essayer de garder quand même la map ouverte et de faire en sorte que, eh bien, ça trace le chemin. Donc cette fois-ci, je vous dis vraiment à tout de suite. Et donc, eh bien, tout le monde, on se retrouve. Voilà, donc on n'est pas très loin de la mer, à vrai dire. Bah voilà, elle est juste en face, parce que là, je l'ai vue. Et elle est juste ici. Par contre, j'ai un petit problème, en fait, avec les cartes. Parce que, en gros, alors, regardez en gros les cartes que ça m'a fait. Je suis parti... Alors, attendez, il m'en manque une, je vais dire, voilà, il m'en manque une. Voilà, ça c'est la carte de notre départ, en fait. Le point du milieu, c'était notre... comment dire... notre village. Alors oui, du coup, j'y suis retourné, parce qu'en fait, comme un idiot, j'avais oublié les pioches pour miner. Donc autant vous dire que j'avais fait déjà je crois un bon 1000 blocs et là je me dis mais j'ai rien pour miner. Donc je suis retourné les chercher mais par contre j'ai un problème avec les cartes parce que regardez, je suis parti d'ici donc j'ai été jusqu'à la droite de la carte et après j'en ai recréé une. Donc j'ai recréé celle-ci. Non, j'ai recréé je crois que c'est celle-ci. Ouais, ça doit être celle-ci, voilà, j'ai recréé celle-ci, sauf que celle-ci, derrière, en fait, il m'a repositionné au milieu, plutôt que me repositionner tout à gauche, en fait. Donc, je sais qu'il y avait, il y a eu un changement sur les maps, enfin, j'allais dire récemment, mais non, mais dans les versions sûrement supérieures à la 1.7.10, parce que je vous rappelle que pour les mods, je suis en 1.7.10, et le problème, c'est que les cartes se comportent complètement différemment, et en fait, je suis un peu perdu, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on crée une carte, eh bien, le point à partir de où on le crée, il est au milieu, ce qui fait que du coup, ça va être très compliqué pour faire une carte qui où on peut déposer côte à côte les différentes cartes, une grande carte, en fait. Parce que regardez, en fait, j'ai celle-ci, après j'ai celle-ci, et après j'ai celle-ci, voilà. Celle-ci après, et puis là je suis dans mon biome désert. Alors là j'ai un autre problème, c'est que je n'ai plus de papier, en fait. Donc du coup, celle-ci, je peux pas la dézoomer à fond, il me reste encore à la dézoomer, mais en fait je peux plus, j'ai plus de papier, parce que du coup j'ai dû faire... 4 boussoles en fait, non 5 boussoles, alors que moi je m'attendais en fait à celle-ci, quand je suis sorti de cette zone-là et que j'en ai recréé une autre, je pensais que ça allait me créer une autre, mais que j'allais commencer à gauche, donc en gros l'équivalent à peu près de celle-ci, parce que celle-ci, si on va tout à gauche, je pense qu'on arrive à peu près tout à droite de cette map-là. Donc en gros, cette map-ci, là, celle-là, pour moi elle ne sert à rien, parce que en gros... ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vienne coller celle-ci et celle-ci, voilà, aussitôt. Sauf que du coup, sur celle-ci, j'ai pas découvert ce qu'il y avait à gauche. Mais en gros, c'est l'équivalent de celle que je viens de sortir. Donc voilà, une grosse différence de comportement sur les cartes. Alors du coup, je pense pas qu'on fera une grande carte, comme j'avais dit, avec le chemin, etc. Parce que sinon, en fait, ça va être très 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 compliqué... étant donné qu'il faut que je sois au chunk près, que je calcule de me déplacer de tel nombre de chunks pour que les maps collent côte à côte. Donc du coup, je pense pas qu'on va faire ça. Et puis, écoutez, pour aujourd'hui, à la base, on devait explorer les mers avec les cartes, sauf que je n'ai déjà plus de cartes et on n'est pas encore à la mer. Donc tant pis, je pense que finalement, on va se passer des cartes, parce que le comportement est trop étrange, en fait. Est trop... en fait... Pour réussir à faire un truc bien, il faudrait que je sois ultra précis et ça va demander énormément de temps pour quasiment rien, quoi. Donc du coup, je pense qu'on va laisser tomber les cartes, sauf si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Si vous savez comment se comportent les cartes avant, je sais pas quelle version du coup, mais moi je suis en 1.7.10. Si vous savez comment se comportent les cartes dans cette version, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Et puis du coup, eh bien nous voici à la mer. Alors il y a beaucoup, il y a souvent des drops de FPS parce que justement ça charge le monde. Ouais, alors là,
Au niveau de la mer, ça risque d'être pas mal. Ok, ça va charger les chunks tout le temps. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas trop planter. Enfin, pas planter, mais ça va pas trop friser. Et donc, du coup, on est parti. Bah là, écoutez, je propose qu'on aille tout droit, tout simplement. Du coup, tant pis, il y aura pas de map, mais bon, on va faire sans. Bon, l'avantage, c'est que avec le bateau, techniquement, ça va quand même plus vite que à pied, étant donné qu'on n'a pas d'obstacle, on n'a pas à monter, et puis je crois que même de base, le bateau va plus vite. Donc là, la seule chose qui peut éventuellement me ralentir, ce serait, voilà, les drops de la map qui charge. Bon, pour l'instant, on y arrive. Donc, du coup, l'objectif, c'est de trouver quelque chose d'intéressant, et puis, si possible, un Mesa. Voilà, tout simplement. Donc, on va essayer de chercher. Je vais essayer de regarder quand même sur les côtés s'il n'y a pas des choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir, grand chose. Hein. Hop. Il y a même pas d'animaux, il y a même pas de poulpes, etc. Ah, ce sera tellement bien quand il y aura la 1.13 qui va sortir, parce que je sais pas si vous avez suivi le contenu de la 1.13, mais en gros la 1.13 c'est la mise à jour en gros de l'océan. Donc ça rajoute plein de reliefs dans les océans, plein de créatures dans les océans, etc. Donc ça va vraiment être vachement cool, notamment voilà pour les voyages en bateau, plutôt que ce soit tout vide partout. Il y a même pas de poulpes d'ailleurs. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de poulpe. Et ben là, il y aura des poissons qui seront dans tous les sens. Et de ce que j'ai vu, ça rend plutôt bien. Il y aura plein de couleurs dans les fonds parce qu'il y aura des coraux aussi, des choses comme ça. Donc voilà, voilà. Alors où est-ce qu'on en est là? On a avancé. Ah ouais, on a avancé quasiment de 1000 blocs là. Ouais, donc ça va beaucoup plus vite que à pied. Bon, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hop, oula, il y a du freeze en tout cas, il y a du les petits freeze. Écoutez, à la limite, si je trouve rien, je vais peut-être vous faire une ellipse ou un accéléré, je verrai, jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Voilà, donc bah écoutez, on va se retrouver dès qu'il y a quelque chose en vue. Oh, 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 regardez ce qu'il y a devant moi. Il semblerait qu'il y ait une île un peu étrange ici, hein. Il me semble que ça, ce serait bien quelque chose d'intéressant avec une petite jungle, on voit. Et il y a l'air d'avoir des petites maisons aussi. Ah bah écoutez, on va s'arrêter ici. Hein. Écoutez, on a exploré, on voulait venir sur un Mesa, mais on a trouvé apparemment quelque chose d'intéressant ici, avec une île avec du pot-sol. Waouh, 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 waouh. Ok, alors il y a l'air d'avoir des petites maisons dans les arbres, ici. Ok, bah écoutez, plutôt intéressant ça, plutôt intéressant. Hop, ah ouais, il y a l'air d'avoir... Oh, il y a tout un village en fait, il y a tout un petit village, j'ai l'impression. Eh bah écoutez, c'est plutôt sympa, on cherchait un Mesa, mais on a trouvé autre chose... Et quelque chose de plutôt intéressant. Oh, il y a même des villageois. Eh bien, écoutez, c'est top, ça. Il y a plein de petites maisons. Hop. Bah, dis donc. Ce petit village, plutôt sympathique. Eh bien, écoutez, il y a de l'ameublement ici. Alors, par contre, ce serait plutôt bien si je pouvais passer le jour. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait d'animaux ici. En tout cas, c'est une île assez étrange. Il y a même des maisons dans les arbres. Voilà, il y a plein de petites maisons ici. Je me demande où est-ce qu'on est arrivé. Ah bah voilà, il y a même des villageois qui se baladent dehors. Voilà, il y a des petites maisons un petit peu partout dans un style particulier. Bonjour. Ok, attendez, on va aller explorer les petites maisons dans l'arbre. Là, il y en avait une. Elle était où? Elle était là. Ah, on peut monter en plus. On peut monter à l'arbre. Ok. Ah bah ça c'est plutôt cool, on a trouvé quelque chose en tout cas. Ok, une petite maison ici, tranquillement. Ok, oh, il y a quelque chose là-bas, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc, il y a une grande maison là aussi. Je vais aller voir vite fait s'il n'y a pas des choses ici un petit peu spéciales. Hop. Non, d'accord, c'est une maison classique. Ok, par contre là il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça ressemble à une espèce de ruine, un monument, je sais pas trop. Ok, on va rentrer. On
va rentrer, on va rentrer. Waouh! Alors où est-ce qu'on arrive là? Où est-ce qu'on arrive? Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, je sais pas trop. On va appuyer. On va voir. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh là, j'ai la tête qui tourne. Oh, oh. Oh là, oh là. Où est-ce que. Quoi? Où est-ce qu'on est arrivé là? On est arrivé dans un Mesa. On est arrivé dans un Mesa. Oh, et ben c'est pile poil ce qu'on cherchait, ça tombe bien ça. Bon voilà, je pense que vous l'aurez compris. Du coup, c'est moi qui est à l'origine de ça. Quel jeu d'acteur magnifique. Non, du coup en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous expliquer un petit peu. En gros, quand j'ai regardé justement où était la mer la plus proche, comme je vous ai dit au début d'épisode, elle était à 4500 blocs. Donc bon, jusqu'à là, ça va encore. Mais quand j'ai regardé où était le Mesa le plus proche, en fait, tout simplement, eh bien, il était à... Vous allez le voir dans les coordonnées. Donc 13 000 en X, ça va encore, mais 32 000 en Z. Donc c'était vraiment très très loin. Et donc du coup, bah en fait, j'ai eu cette idée-là, en fait, de faire semblant d'un petit truc RP. Je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire ça, plutôt que de vous dire, bah voilà, j'ai vu, il est à 32 000 blocs, bon bah je vais y aller via le Nether. Enfin voilà, ça aurait pas été très RP. Alors que là, bah justement, on était un petit peu dans les explorations, dans les expéditions vers les contrées lointaines, etc. Donc je me suis dit, ce serait plutôt sympa d'arriver sur une île un peu Amazon, aborigène, des choses comme ça, avec des maisons un peu différentes, la structure, l'architecture des maisons assez différente. Et du coup, j'ai créé ce petit village un petit peu d'aborigène, d'Amazon un peu, et je me suis dit, bah ce serait cool, alors je vais aller miner un petit peu pendant ce temps-là, ce serait cool en fait, et eh bien que ce village, il ait un petit côté magique, mystique, et il y ait des ruines en fait, qui, avec la magie qui imprègne ce village, eh bien, elle nous emmène dans un autre endroit, et du coup là, dans le Mesa, vu que c'était ça qui m'arrangeait. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, et puis c'est un peu plus RP que dire, bah voilà, bon, je vais passer par le Nether parce que c'est loin. Enfin voilà, au moins j'ai essayé de faire un truc qui collait à peu près, voilà. En gros, c'est les Européens qui débarquent sur, des nouvelles contrées, des nouvelles terres suite aux expéditions maritimes, etc. Et qui, explore et découvre des choses. Et ben là, voilà, on a découvert une ruine un peu mystique et on a été un peu trop curieux. On a cliqué sur le bouton et on s'est fait téléporter. Il y a eu un petit peu de magie qui est intervenue. Donc voilà, c'était surtout pour donner un petit côté RP au fait d'aller dans un Mesa. Voilà, donc du coup, par contre, je suis en train de me dire, plutôt que de miner de la comme ça, je vais plutôt miner de la blanche, parce que je vois qu'il y en a là directement, parce que il y a une des questions que j'étais en train de me poser justement, c'était comment je vais avoir des colorants blancs, parce que normalement il faut des os, mais du coup, eh bien, je vais faire je vais récolter directement l'argile qui est directement blanche ici, donc ça va être plutôt cool. Voilà, donc en gros, à quoi ça ressemble, comme je vous avais dit, c'est assez blanc avec une pack de texture, ça ressemble un petit peu au quartz, sauf que c'est assez lisse, et puis c'est un blanc quand même qui est différent, donc je pense que ça va rendre bien dans le petit manoir. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si voilà ce petit truc RP avec le petit village vous a plu, parce que honnêtement, j'ai passé du temps. Ah oui, non, ça c'est pas de la. Ça c'est de la. Ouais, mais la grise. Attendez, je vais la prendre aussi, la grise, parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, ça peut me servir dans le manoir. Je vais en prendre un petit peu également. Donc voilà, oui, je disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit truc RP. Bon, voilà, on parlera pas du jeu d'acteur hein, qui était foutu dès le début où j'ai vu l'île. Oh, qu'est-ce que c'est ça, dis donc. C'est pas là, ça, d'habitude.
Enfin voilà. En tout cas, c'était surtout pour justifier le fait d'aller dans un Mesa. Mais du coup, ce qui était plutôt cool, c'est que j'ai passé pas mal de temps à faire ce petit village. Voilà, je me suis amusé. Je vous montrerai. En fait, j'ai repris des maisons du style des villages PNJ et je les ai un petit peu adaptées à une sauce un peu, je sais pas. Alors. Les blocs, ça fait un peu pas Maya, mais en gros c'est les pierres des pyramides usées, craquelées, avec de la mousse, etc. Enfin, je vais vous remontrer. On va retourner voir ça du coup. Alors, attendez, est-ce que j'en ai assez là? Je sais pas. J'ai ça. Ah, attendez, ça c'est de la blanche. Ça c'est de la blanche. Ça c'est de la blanche et ça c'est de la grise. Normalement, j'en ai besoin de 6 par fenêtre. Ok, il doit y avoir quinzaine de fenêtres, je dirais, par étage. Donc du coup, 15 x 6, on arrive à 90. Ok. Ouais, bah attendez, je vais encore en miner un petit peu. Et puis la grise, je sais pas, ça pourra me servir, mais au moins, voilà. Si on a besoin de revenir, du coup, enfin, si j'ai besoin, parce que je vous montrerai pas en vidéo, vu que, voilà, je l'ai fait une fois, je vais pas vous montrer à chaque fois que je viens là. Mais si j'ai besoin de revenir, eh bien, vous saurez comment j'y vais. En fait, j'irai en bateau et à pied jusqu'à au petit village des Amazones. Et je passerai par, eh bien, ce petit bouton dans les ruines mystiques, ici, il y avait un petit bouton. Bah écoutez, j'étais curieux, j'ai cliqué dessus, et la chance a voulu que ça m'emmène au bon endroit. Voilà. Ok, bon voilà, là je pense que ça va être bon, on va récolter vite fait la fin de ce truc là, et ensuite on va être plutôt bon, on va rentrer au niveau du petit village. Voilà, donc comme ça, là j'en ai pas mal. Attendez, c'est une blague, je me suis arrêté pile poil à 3 stacks pile, et bah écoutez, je pense que c'est un signe. Ah bah non, voilà, ça y est, ça a tout gâché, il n'y a plus de signe. Bon enfin voilà, c'est pas grave, mais merde. Je voulais pas dire ça à la base, mais hop, je suis tombé. On va remonter, et du coup je vais vous montrer un petit peu plus en détail maintenant qu'il fait jour. Ah mais c'est pas possible. C'est pas possible, là, je suis maudit, j'arrive plus à remonter nulle part, voilà. Alors, ça, c'est ma punition pour avoir cliqué sur le bouton, alors que normalement, on n'a pas le droit. Donc voilà, du coup, je clique, ça se trouve, attendez, parce que il y a un bouton ici, mais ça se trouve, on va peut-être pas revenir là où on était tout à l'heure. Alors, en tout cas, voilà, j'ai encore mal à la tête, ouf. Oh! Ok, bon c'est bon, on est revenu au bon endroit. Bon voilà, je continue le jeu, mais bon, je pense que vous avez compris. C'était surtout histoire de justifier ça. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu plus le village de jour, parce que ça va être plus sympa, je pense. Les villageois vont être un peu sortis. Mais du coup, il y a des petites maisons, vous voyez, ici. Alors, il y en a qui sont typiquement des choses reprises du village PNJ. Que j'ai juste... Bah voilà, celle-ci, par exemple, elle est pile poil du village PNJ. C'est vraiment un copier-coller de la structure. J'ai juste changé les blocs en fait, mais il y en a aussi que j'ai créé, alors notamment la grande, voilà celle-ci c'est un vrai copier-coller de, je l'ai vraiment adapté d'un vrai village de PNJ, voilà c'est celle, vous savez il y a des grandes maisons comme ceci, elle est juste un peu plus meublée que normalement, mais voilà, et par exemple celle-ci je l'ai totalement créée, mais voilà ça respecte le même thème. En tout cas écoutez, j'espère que ça vous a plu, voilà c'est plutôt sympa avec les petits villageois. Vous avez vu aussi, il y en avait une ou deux, je sais plus. Non, il y en avait même plus que ça. Je crois qu'il y en avait 3 dans les arbres. Enfin voilà, c'était histoire de dire que bah, ils se sont adaptés à l'environnement. Il y avait plein d'arbres. Bah voilà, il y en a eu là. En tout cas voilà, j'espère comme je vous disais que ce petit truc vous a plu. N'hésitez pas. Là, ça me ferait super plaisir à mettre un petit pouce en l'air. Voilà pour me montrer eh bien que ça vous a plu. Et nous eh bien on a voilà notre argile. Je la garde dans les mains. L'argile blanc, ça y est, on l'a. Donc on va pouvoir faire ça la prochaine fois, remplacer les planches blanches par de l'argile, et comme ça on va pouvoir bien avancer sur notre petit manoir. En tout cas voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, parce que pour le coup ça m'a pris énormément de temps entre le fait que j'ai avancé le manoir et la création de cette île plus du village, parce que oui du coup j'ai créé aussi l'île avec du world edit etc, parce que bah des îles avec du puzzle ça n'existe pas. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.
bye tout le monde. J'ai avancé le manoir et la création de cette île plus du village, parce que oui, du coup, j'ai créé aussi l'île avec du World Edit, etc. Parce que bah des îles avec du puzzle, ça n'existe pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye tout le monde.